Laissez-moi vous dire que dossier 3 conseillers, j'aime nous connaître déjà et j'ai l'habitude de dire là, la prend l'autre dimension et que personne ne va jamais imaginer que jeudi, il y a un ensemble de dispositions qu'apprend, j'aime connaître déjà, pour que, quel que soit moyen, pour que trois conseillers qu'on connaît, lui Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin, mettez avec Léon Delan et puis ensemble avec Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président de l'administration BNC, pour que cinq messieurs Sayo aient présenté devant carré juge Benjamin Félix May, cap inscrit dossier qui est pour avec scandale corruption BNC. Est-ce que avocat trois messieurs Sayo, disons bien, comme nous connaissons avocat Emmanuel Vettilet qui s'est mettre à Biblaise, mais nous pouvons connaître avocat Gérald Gilles et puis avocat Smith Augustin, est-ce que messieurs Sayo pourraient rentrer yo dans une véritable bataille avec juste destruction? Et c'est celle en Haïti désir que n'importe monde qui a campé au bêtise avec un juge. C'est celle en Haïti, oui. Que au monde qui a campé ou bêtisé avec un juge d'instruction, c'est là en Haïti ça fait. Ça qui passe et parce que nous avons une justice qui est malade, qui est corrompue. En pile là, juge, c'est les politiques qui mettent, mais ce n'est pas sous base compétence que mettez. Mais sinon, comment t'as fait que un juge d'instruction relé un monde dans le dossier qu'il y a accusé? Et bien, pourtant, dès que des gens ont dit, et t'es pas prêt devant le juge là, parce que le juge c'est ci, le juge c'est là, et tel que. Mais même pas comprendre. Alors, monsieur, tu as répondu à une question ULCC, entendez bien. Eh bien, il n'y a pas de connaître comment bénéficier de la président. Léon t'as devant ULCC, il n'y a pas de connaître que la président, il devant ULCC. Léon t'as allé dans la chambre 408, non, Oasis, non, il n'y a pas de connaître comme ça. Léon t'as été bâillé et Smith Augustin, Emmanuel Vettilet, le Gérald Gilles, eh bien, carte de crédit, ça y est. Léon t'as tellement beauté boué sous carte de crédit, hein. Oasis, et les chèvres, je viens de manger, et puis je viens de manger, je viens de sauter, et puis tout le monde mange. Il y a combien, oui? Et Kounia là, l'entendez que le juge dit comme ça, il a invité trois personnes, il a invité un ex avocat campé du que, au fond, il y a un coup de justice, si il y a un coup de justice, il n'y a pas qu'à tenir les yo. Mais monsieur, en sérieux, en trois nek impliqués dans le niveau ça, Joseph dit que, il faut qu'il y ait un coup de justice, au Kounia, c'est Jovenel Moïse qui va faire élection, qui la cause que, pile d'état nek yo a baille. Je dis, si il pas ici, laissez-moi dire non. Et comprendre bien, Léo dit que la justice élève une nation. Léo dit que nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que, parce que aucun monde qui a la tête la justice. Et les gens justice dans un pays, les pays sa force et les institutions force. Quand il y a, regardez que Jean Montesquieu te dit là, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Pas vrai, désir. Eh bien, nous allons regarder est-ce que le pouvoir exécutif là, c'est plus gros pouvoir que judiciaire. Et qui est-ce qui a le pouvoir d'arrestation? Qui est-ce qui a le pouvoir d'exécution? C'est le pouvoir judiciaire. En tout cas, désir, monsieur est certain que dossier ça, nous allons venir avec un pile de déclaration. Bon côté, avocat Guy Biblaise, qui c'est avocat Emmanuel Vettilet. Bon côté, et Pierre Espérance, qui c'est lui-même devant ses droits humains. Et qui veut qu'on ait quelqu'un pile large en bas table là, pour capable enterrer dossier. Hein? Et même il y a des menaces qui commencent à faire sous juge, Benjamin Félix Médésir. La situation, Pierre Espérance, un peu le monde n'a pas qualifié comme nègre qui joue un dossier. Dans la situation, en pile fois, qu'elle était insécurité, en pile fois, malgré toujours fait flac. Parce que je dis à Fango, bonne meilleure désir. Parce que si M. Capé comme ça, ben pas oublié, pas oublié aucun monde, nous avons aller devant la justice. Mais qui c'est le représentant Emmanuel Vettilet, qui c'est le représentant Petite Dessalines dans le conseil présidentiel de transition, il t'a fait quoi? Qui t'a déjà offri un juge environ $100,000 américains dans le cadre de César. Ça veut dire, n'est-ce pas comme corrupteur, il a cherché, corrompu des juges qui dans le système judiciaire qui cap fait casser feuille pour lui savoir. Là, entendez, avocat Gaby Blaise, entendre pour parler de votre justice, c'est pour le cap fait temps passé. Et pour n'est-ce pas entendre, pour utiliser ce qu'on appelle trafic d'influence, pour influencer le dossier, pour empêcher le grief et chemin. Exactement. Tôt ou tard, toi, M. Sayo, il y a sauté dans le conseil présidentiel de transition, et le conseil présidentiel de transition risque d'écraser, et le Sayo, il sera dans la prison de transition. Exactement, garçon. Et ça me dit là, frère. Elle dit, le Sayo risque pour être dans le conseil là, mais il risque pour arrêter tout, pour voler, pour mimimiao, pour gros chat.
Parce que ou pas qu'un pays qui trouve une crise, nous chita tout autour de yon consensus politique, largement large, qui réunit ensemble secteur politique, secteur social, dans toute communauté, pour nous dire nous galpons une résolution. Et si nous regardons là, depuis l'air que monsieur Mouté, environ 6 mois, depuis qu'il a dirigé le pays, pas de pion qui déplacé en faveur de la République. 18 mai, nous avons venu, nous avons voté l'argent. Scandale, non boté l'argent, non ça qui vient pour avec service d'intelligence, renseignement, permettre que la police soit pas efficace. Chaque mois, presque négio a plevé 5 millions de gouttes. Pour yon faire qui ça, personne ne va connaître. Et je dis, négio tourne pigeon voyageur. Chaque semaine, quand on attendait un conseil présidentiel, a déplacé pour la longue côté. Qui ça le fait? L'elle retourne, il dit que il était rencontré avec Tijan, il était rencontré avec Tijanet, mais qui ça le dit, et puis tout bagarre fini là, presque 5 000, 6 000, 7 000 dollars américains perdus ou perdus. Je dis, nous besoin de responsabilité, nous ne pouvons pas ici. Dans le dossier, scandale, corruption, ça. Et son jeune te dit ça. Et en pile dans l'acte, on te dit, transition, ça, c'est une transition de rupture, c'est la dernière transition qu'elle t'a donnée. Mais quand elle va aller là, nous, ouais, c'est transition qui va plus dire, qui va porter plus de conséquences sur la vie peuple haïtien, de cette personne. Ensemble, ça, on te gardé dans l'accord politique 3 avril 2024, là, bien qu'elle n'ait pas publié, il y a pour respecter. Conseil, sécurité, vous pouvez mettre ça sous pied. Au cas, vous pouvez mettre ça sous pied. Pour jusqu'à présent, question élection qui a parlé, nous tous, son bagaille piqué collé, on bagaille 10 amis. Parce que depuis qu'il a eu le conseil électoral et été installé avec des membres qui manquaient, ils ont installé. Et depuis les 7 mois, ça y aller dans le conseil électoral, installé comme conseil électoral provisoire dans le KIPA. Est-ce que j'entends encore? Il y a une commission pilotage. Pour question constitution, que vous avez mis sous pied, qui sont dans les faits. C'est des gens qui viennent là, la situation qui a arrangé, pour la même dimension avec HCTA, que Milot Banigate là-dedans, vous voyez que j'ai fini. Chaque fois que vous arrangez, vous faites l'argent. Et question corruption BNCA, Blaise Peterson, il y a toute preuve, selon divers acteurs, pour vous marier avec ça. Le bouton de la parole de votre justice, vous faibli. C'est l'autre issue que vous n'avez pas besoin. Il y a battu le retirer comme Blaise Peterson. Et CARICOM qui est météo, prend position sur question ça. Lidi, Leslie Voltaire, pour le suspendre en mer d'école, pour le mettre de l'eau dans divin, dans la bataille qui gagnait entre la présidence avec la primature, qui mettait le pays dans une situation qui est beaucoup plus difficile. Désir, moi, c'est que nous ne pouvons pas faire trop de débat, non, parce que nous avons fait un débat, mais nous avons quitté un pénacte au palais, dans deux dossier qui est pour avec quelque chose. Mais pas oublier, je me le dis, quelque chose, amis qui ont gardé et qui ont ça. Laissez-moi dire, nous, clair. Et la question est sécurité, hein. En plus, on attend que je dis à qui c'est priorité et c'est plus gros besoin des haïtiens. OK? Priorité et plus gros besoin des haïtiens parce que je dis, hein, et pays a bloqué, femme dit pays a bloqué, et pas qu'il ou pas boire pour quelque soit mal et malheureuse, qui je dis en là, qu'avec une situation tête chargée. Elle dit, espérez que la situation pays qu'on est là, espérez que ça n'a pas vivre là, eh bien, livre vraiment que capable d'une solution avec ensemble problème que qu'on est là, avec ça n'a pas vivre là dans notre pays. Hein. Désir, laissez-moi dire non. Avec question ça, je que nous dis hein, que acteurs politiques yo et droits humains réagit. C'est vrai que je dis hein, en pile monde pas bien ouais, on est coupé espérance parce que parfois, gade dans deux dossiers que le fouille école, mon yo dit mais monsieur sont les droits humains là, pas vrai? Et mais gade fois tout faut qu'on est bien. Gade bagaille Pierre Espérance a dit. C'est bien ça me dit oui. Gade bagaille Pierre Espérance a dit. Vous connaissez comme bagaille haïtien mais Aïssé me dit, Pierre Espérance, monsieur, n'a pas vendu bœuf là. Gade information que Pierre Espérance a baillé, pas minimisé ou, et prend pour s'allier. Hein. Parce que Pierre Espérance, son est qui connecté, pas seulement à l'échelle nationale, et li connecté à l'échelle internationale. Et veillez pour eux. Ou elle est prêt à retirer toi, M. Sayo, ou dis-moi est-ce que si même mini pour arrêter M. Sayo, rete gade pour elle, rete dans les pour elle, ou après Pierre Espérance, ou non, mon cabine avec de ça. Cabine dit, mais qui ça? Et ça me le dit pas là. C'est parce que nous prenons de Pierre Espérance, dans la question ça l'a dit, dans la question 3 conseillers Sayo, nous comprenons que malgré tout problème qu'on est capable de gagner avec Pierre Espérance, mais pas minimiser et pas ignorer ça que Pierre Espérance a dit là. Yo. T'as bien ça me dit, hein? Pas minimiser, pas ignorer ça que Pierre Espérance pral dit là yo parce que ça l'a dit yo, Pierre Espérance pas fou,
fait expérience pas sous et il connaît clairement tout. Malgré tout sortes de en Haïti son pays des autres débandades, eh bien, il connaît clairement que paysan, gè des bagages l'ont dit, il est capable coûte très cher. Et l'elle dit que y a soudoyé en bon français, mais l'elle dit que gen l'argent kabay pour corrompre ensemble des juges et pour corrompre juges dans quatre dossiers ça. Eh bien, l'Ible dit qui ça clairement que réalité yon, et problème qui existe yon, et problème qui gen là, li paraît vraiment compliqué, zami internaute. Va l'inviter nous tendre Pierre Espérance parce que li même ça l'a dit yo, li connaît yo, ça l'a dit yo, li tendre yo et ça l'a dit yo, li connaît qui ça exactement. Et ça fait la fin de Pierre Espérance non premier niveau et après ça pour capable venir avec de l'autre. Nous avons Pierre Espérance là désir. Pierre Espérance. Ce dossier ça parce que là il est vraiment important parce que et c'est on laisser nous capable parler pour Pierre, on quitter Pierre parler papa parce que Pierre ça l'a dit yo, yo problème dit, sérieux. Ça va bien, problème sérieux Pierre. Mon problème sérieux avec Fritz Jean, Leslie Voltaire et puis avec toute Laurence Cécile, on va dire Edgar parce que Edgar a pris l'école pour monsieur rentrer. Parce que comportement Leslie Fritz Jean avec et Laurence Cécile, pas bon non dossier ça. Il est pas capable de continuer à et tourner les gars. Ça c'est scandaleux. OK. Il va bon non. OK. Josia dossier il prend l'autre niveau puisque juge a pris les nègres. Ça peut pas passer quoi. Ça se peut cap déstabiliser. Qui comportement qui c'est pas passer là. Moi je pense que il y a des bagages pour faire. Faut trois messieurs une société avec Edgar, yo réuni pour prendre une résolution. Yo capable prendre recette là tout si nèg yo vle, il t'a plus intelligent pour prendre ensemble. Yo pour une résolution pour nèg yo mettre corps sur côté pour continuer à engager l'État. Ouais, beaucoup dire pour aller non, pour pas même engager pour pas continuer à engager l'État. Et nèg yo pas capable l'État pas capable continuer à fonctionner sous caprice nèg ça. Et déjà nèg yo et Paris, il y a présence dans le CPTA, dans le Conseil des ministres, dans faire décision, pas créer une sérénité, une ambiance de travail et dans le CPTA. Et il n'est pas bon. Là, c'est M. Voltaire. Il n'est pas bon. Il veut voyager ou bien non, non, c'est M. Voltaire. Non, non, moi, je suis de 4 mecs, je ne parle pas de M. Voltaire. Il faut qu'ils soient réunis pour trancher sur le bas. Je me souviens que M. Voltaire était là depuis hier, c'est ce rapport, il a demandé M. Voltaire. Non, mais justement, et puis il faut que les bagages soient rapides. Même Jean Toumé dit, il faut qu'on gouvernement pas bon, et le cabinet ministériel là, en plein monde pas bon, il dit qu'on est dans le cas, on sait qu'il ne va pas continuer à tourner dans la fille du monde là, parce que la parlementaire insécurité, ouais, parce que parmi la justice a un rôle extrêmement important dans quel est le climat impunité avec insécurité dans le pays, parce que le par exemple, le ministre n'est pas capable mobiliser paquetier pour et engager des poursuites avec mon qui a fait ça pas ça et bien qu'on y là la police a découragé ça qu'on a arrêté et bien qu'on y là il y a libéré bon, donc faut qu'on remaniement ministériel mais attention mais Gariko ni tout n'a pas besoin de Gariko ni tout faut l'agiter avec Michel Bac arrêter comme ça là pour accepter un remaniement ministériel avec toi l'autre non tu es capable Gariko n'est pas capable d'accepter tout un remaniement ministériel pour trois missions répliquées. Monsieur David Aliel, qui est dans la bataille. Bon, laisse ça, depuis que vous avez ça veut dire qu'il était dans manger l'argent BNCA. Vous comprenez, il y a une corruption, tout, il était là dans tout. Il y a un problème, non? Amen, il était. C'est correct, mon bâtiment. Amen, il était. Comme vous dites, il demandait. Amen, soit là dans tout, qu'on est là pour un pot de vin pour mettre mon apport. Il va capable. Il va capable. Pas gain 1% chance pour CPTA fonctionner dans sérénité, dans prendre grande décision dans l'État avec M. Sao qui est impliqué dans le scandale jusqu'au coup et puis pour continuer à engager l'État. Donc, faut 4 membres CPTO avec et ils réunis. Il faut que vous preniez une décision. Et moi, je dis à ça, de un gouvernement qui ne peut pas marcher, mais en même temps, tout, ou pas capable de prendre là, mais c'est ça, ou participer dans le remaniement ministériel, ni nommer directeur général, etc. En tout autre question, le remaniement ministériel, là, parce que le bagage, ça, mais le gouvernement,
dos à dos avec, avec CPT. Des réunions qui sont faites là, et M. CPT a dit à Gaïkoni qu'il faut vraiment retirer confiance sur lui, mais il dit, c'est ça, il dit que le cabal a une deuxième chance, moi, il y a un gros manier, c'est parce que le gouvernement n'a pas délivré. Gaïkoni, il dit une fois ça, pas de vraiment, monsieur, pas de vraiment gain échauffouré, il dit qu'il n'a pas rencontré avec le secteur qui former CPT. Ok. Et déjà, je vous dis à tout, nous connaissons comment c'est rencontré des secteurs, comment est-ce qu'ils sont remaniés, mais ça, ils sont rentrés là-dedans. Bon, premièrement, rencontrer des secteurs, c'est démagogie. Comment? Rencontrer secteur, c'est démagogie. Je parle au secteur qui n'a conseil là. Gary Konite qui doit faire consultation, comme premier ministre ou bien une CPT à bon côté, de secteur dans la société là, qui a un rapport avec tel champ d'action. Tant qu'on doit faire une consultation avec l'organisation de droit mondiale, société civile, là, comment nous réussir ça et à marcher. Ok? Qui profile le monde qui nous a qui t'a doué, mini justice, dans le cadre de Lyon et Remanion Miseguel. Mais qui est-ce qui a le droit qu'on a pour l'avoir rencontré et secteur qui n'a conseillé là? Et pour le maniement mieux déjà représenté dans le conseil. Alors, pas à moins que qu'on y est là, et li, la fait rencontre avec 21 décembre pour dire que et mes amis, et Gilles, il était avec moi, il était aidé moi, il volait trop, il n'est pas volé, il a accusé. Il volait trop. Il pas volé, il est accusé. Non, pas divisé, m'a dit. Non, il est accusé. J'ai un pot de vin. Oui, c'est moi qui volé. Il volait, et moi dit, mon capitaine. Oui, il volait trop et que je ne suis pas capable de connaître là qui vient nous ça. Mais il n'est pas capable de consulter pour que j'en ai ma ministre. Connaît là. Et pour moi-même, mon bagage vous dit là que CPT a tapé Gary Koni dernière chance. Et yon ballon de yon menace. Yon menace. Pour retirer. Et moi pense, moun qui yon pouvoir nomination, c'est le pouvoir révocation. Ok. Donc yon ka révoquer là. Non, attends, hein. Oui, yon ka révoquer à partir de accord 3 avril là, et yon ka révoquer tout à partir de décret ça qui mettait CPT à camper avec premier ministre, gouvernement. Cependant, si trois messieurs participent, trois messieurs qui indexent dans le scandale, ça, participent, font réunion pour une résolution pour évoquer Gary Koni, si Gary Koni ne va pas aller. Comment? Gary Koni ne va pas aller. Oui, comment ça dit bien? Je dis que si c'est sept conseillers, c'est-à-dire que quatre qui vont dans le scandale, avec trois dans le scandale, yo sept là participer font résolution pour évoquer depuis une résolution ta gen yon nan moun scandale oxyeni Gary Koni pa doit font pas Gary Koni pa non monsieur li pa doit font pas pour ça parce que nèg yo yo gen ou gen yon un décret qui publié dans le moniteur qui dit que de vous faire objet des scandales, des poursuites judiciaires, ou bien ou gagnent, ou t'as condamné, ou pas une place dans le CPTA. Qu'on est là, ou pas capable qu'on est là, ou à continuer à engager l'État. Donc, vous avez dit résolution, vous apprenez, qui est signé par les sept membres, non, éventuelle révocation. Et Gaïkoni, il n'y a pas fait Gaïkoni? Non. Si c'est quatre nègres, si les nègres finalement entendent, parce que le monde qui a le pouvoir. Si n'a pas fait un scandale, il était qu'à faire lui, mais à partir des scandales, ça, ou même poursuite contre lui, mais si dans mon idée, on n'est pas capable d'engager l'État, ou pas capable de révoquer le Premier ministre. Qu'on est là. Donc, je dis, nous sommes capables de faire ça, c'est sûr capable de réduire le quorum, non? Oui. Réduire la majorité, hein? Oui. Qui est Leslie, Voltaire, qui est. Il y a quatre mecs qui ont révoqué le Jean, oui. Et Edgar Leblanc, avec. Non, c'est ça. Oui, c'est le 4. C'est le 4 là. Oui. Mais le 4 là, mettez majorité à toi. Il y a quatre là. Mais toi, l'autre n'est pas révoqué. Depuis participer. Depuis Gilles. Depuis Emmanuel. Depuis Augustin. Emmanuel Vettiner. Fred Augustin. Oui, Gaïkoni. Signé. Oui, il va dire. Il va dire qu'on ne joue pas.
Il va dire vous le faites pas. Mais attention. Hein. Désir. Bon, après, c'est. C'est le pays qui a parlé là, il est. C'est le pays qui a parlé là, il est. C'est la République qui a parlé. Désir. Désir. Mais, qu'est-ce que c'est le Haïti? Qu'est-ce que c'est le remplacer Jean-Jacques Dessalines? Désir, allez, allez. Je ne sais pas si je vais faire une émission, mais ça va me faire un bruit. Je vais me crier. Allez, gon notoriété, bah, français. Mais gon pouvoir que Pierre dégage dans sa labdien. Comme si on a le team dit, moi, je suis un sien de là, c'est fini. Elle dit, Pierre clairement dit que depuis la résolution, il y a trois necks qui signent là-dedans. Alors, trois inculpés. Bon, malgré à ça voici moi-même avoir comme professionnel journaliste n'a pas c'est normal faut nous dire tout autant que la justice va rendre verdict li pour dire moun sa yo il est coupable mais si là moi-même avoir comme journaliste comme directeur d'opinion et tout l'autre confrère conseil journaliste qui a fait métier ça avec respect nom non n'a rele moun sa yo inculpé ou bien accusé vous comprenez moi jusqu'à présent papa moi senti coupable m'a utilisé terme inculpé après non mais c'est pas non mais pas oublier de pas oublier c'était des blagues. Désir, non, désir d'aller, désir d'aller, désir, non, attendez, non, désir d'aller, attendez, ah, non, mais, pour m'abri, ça m'a dit, m'abri, que métier, y'a, bah, non, éthique et déontologie métier, hein, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le fait que, bon, ça c'est thème juridique, la loi, mais le fait que la loi dit, libre juger Mounza, comme si vous le dites Mounza le coupable ou pas, nous même comme journalistes, bien, nous même comme de ces citoyens d'abord même, nous pas qu'à dire Mounza coupable, qu'on y a vraiment bien. Si que non attendez, m'va parler. Si n'a prêté son rapport ULCC, bien que ULCC c'est pas la justice, mais nous ka dit OK, selon rapport ULCC, li mout quelques nèg sa yo impliqué dans scandale de corruption. Mais kounya si nous pral aller dans niveau la justice parce que pas oublier sous des terrains, si c'est la justice kounya qui est tant des nèg yo rend verdict et yo dit nèg sa coupable, laisse ça pas une question d'accusé, laisse ça nèg coupable, mais jusqu'à présent minute n'a pas parlé là. Ils sont des accusés. Ils sont des inculpés. Là encore, nous même avons comme journaliste, nous avons toujours été dans la phase inculpé ou bien accusé. Mais qu'on connaît. Monsieur, soit que juge là, il y a tout moyen, les finir de Negio pour arrêter Negio, ou dis-moi ce que, et il y a des décisions qu'on prend pour évoquer Negio. Parce que nous songeons l'histoire de Mme Edwin Toton, pas vrai? Mme Edwin Toton, c'est à ça, nous. Il fait plusieurs mois dans la prison. Que c'était juge Jaoul Néamon qui a pris ce dossier. Et nous, c'est pas dans Carlos Hercule. Comme il s'est avocat, pendant Carlos Hercule, le ministre, là, il faut gérer le dossier, là, il fait libérer, il dit comment? Libération humanitaire, réseau humanitaire, bah, et ça, demain pour Robinson Pierre, lui tout, un secrétaire général, bah, ouais, dans la question de Zamna, ouais, il fait plaisir dans la prison, là, les Carlos Hercule, le ministre, là, ouais, il faut gérer l'angel, là, monsieur, il libéré, vous comprenez? Mais combien, là, si n'a fait justice, la justice, là, Les pas de poids et de mesure. La justice est une pour tous. La loi est une pour tous. Ça veut dire que, quel que soit mon collier, hein, pour que soit de, parce que Joseph mal comprend le désir, l'emmener de mettre Gabi Blaise qui a dit qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la haute cour de justice. Mais quelle est cette histoire? Parlons de. Comme si quand elle sortit là. On avance, frère, parce que je ne vais pas parler. On avance, ça va dire. Mais Pierre, vous connaissez, monsieur. On a bien fait un spécial dans le pays d'Haïti. Là, c'est très grave. On sait bien pour tout le monde. On est à titre président, ou bien conseil présidentiel, qui a prérogative ou responsabilité pour faire nomination président conseil d'administration dans une banque l'État. Li décide, pendant le mandat, président du conseil d'administration, Bral Fini, décide, al nous fester avec, manger ensemble, la Kaili, nos premiers rendez-vous. L'obéit pété, yo dit, l'autre te manque plein gagan, l'autre te déclaré, nous habitué, jeter gouvernement, nous habitué, retirer président, nous cap retirer. Et ça pas empêché, ne yo pas ouais son mauvais signe. Yo prend rendez-vous dans un hôtel. Ne qui gen droit de nomination. Chambre 408. Pas oublier ça, non? Ne qui gen droit de nomination, sous président du conseil d'administration. Ça, tout simplement, Blaise. Lise, yon preuve avancé sans la justice. Pourquoi réagir pour nous dire que ne gen pas sérieux? Pour quelque soit raison.
trois conseillers ont été rencontrés avec Raoul Pascal Vialoui. Mais c'est à l'heure dans le bureau. Attendez, désir, un petit mot. Rencontre-là déjà. Attendez bien, ça mettait nous. Rencontre-là déjà. Dans le moment où l'on fait là, quel que soit côté, il était fait là. Attendez bien. Rencontre-là déjà. Et dans le moment où l'on fait là, l'intentionnel. Est-ce que d'accord avec le désir? L'intentionnel. Ça veut dire que l'hypothèse à préjudice, l'hypothèse à réfléchir. Donc, ça veut dire que le fait que Nekjo a fait rencontre dans un moment pendant que il y a des décisions qu'il prend pour évoquer ou bien pour nommer ou bien pour conduire et Raoul Pierre lui salta bien. Et c'est dans le moment ça Raoul Pierre lui a convoité Nekjo, a parlé à Nekjo, a rapproché Nekjo. Ça veut dire que Nekjo a accepté rencontre dans l'intentionnel. Et quelque chose, ça a été dit. Même Nekjo n'est pas vrai, Nekjo a raison avec sa capacité. Équipe Isère. ULCC montre que c'est bonne preuve, nego qui cas de crédit BNC et mais qui achat nego fait. Blaise, tout acte de corruption, tout acte de vol, il commence par l'intention. Premier bagage qui anime, c'est d'accord. L'intention. D'accord. Jusqu'à ce que ou matérialiser. M'pas d'accord pour personne vienne dire que corruption pas de fait. Oh. L'intention, c'est plus gros âme qui conduit sur scène d'action. Exact. Parce que si vous pas intentionné, là, difficile pour commettre action. Je dis, trois conseillers présidentiels, ça y est, c'est trois corrompus. Que la justice rende verdict, que la justice pas rende verdict, et l'autre avantage que vous avez avec moi-même ou même, qu'a analysé le comportement que vous avez gagné, vous êtes d'accord que vous avez pris un cadre de crédit. En plus, on a dit, bon, carte de crédit, quel que soit citoyen ou auditeur de l'État, il a procédé en carte de crédit parce qu'il a payé. Mais qu'on y a regardé. Dans période, dans espace-temps, que vous prenez carte de crédit, ya, que Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de l'NCT, il a gagné 20 000 dollars américains sous ce cas. On regarde dans la période que vous prenez carte là, qui est-ce qui est pressé pour dépenser comme qui sous l'IA. Il y a des chevilles. Si c'est un cop que nèg yo te konnen yo t'ap pral payer. Est-ce que nèg yo t'ap pressé pour yo te déchapiller comme ça? Pour yo acheter même ça que yo pas besoin. Ça c'est des indices qui montrent niveau que nèg yo t'ap côté boué pour te alboter l'argent dans BNC. L'autre bagaille que nous veut d'accord. Nèg yo servi avec yon intermédiaire qui relé Léon qui ça? Les Loni ou bien Loni, l'autre m'a konnen même que Loni Léon. Et construire Santiago, Haïti Santiago. Si tu as permettre que bagala aussi facile pour eux, yo chaque jeune et type de 20 pas. Pas oublier. Et loi 12 mars 2014 je crois, li fait mention de prévention contre la corruption. OK? Et automatiquement l'esprit corruption depuis qu'il y a pour de 20, li fait affaire directement de corruption. Exact. Même manger côté dans total manger dans l'espace que total rencontré là, même au bidon bloqué au bois. Il rentre dans quatre enquêtes que enquêteur ou mené parce que à qui comme OK président conseil d'administration t'es acheté de l'eau t'es soit t'es loué espace là et sans doute soit là le moment pour 1 heure 2 heures 3 heures dans espace à l'IPL à qui comme qu'elle paye nous besoin poser ensemble des questions tout ça c'est indice qui montre que nèg yo gain responsabilité moi même me dit que nèg yo peut-être t'as gain raison pour être capable défendre tête yo en tant que président conseil présidentiel transition. Ou bien en tant que membre conseil présidentiel transition, yo gen yon bureau, yo gen espace pour recevoir tout le monde qui veut côtoyer, qui veut venir parler avec yo, qui veut venir partager yon dossier avec yo. C'est dans Villa d'accueil. Pour qui ça Raoul Pascal Pierre, c'est pas Villa d'accueil qu'elle t'a rencontré avec conseil présidentiel yo. Pour qui ça c'est trois conseil présidentiel. Pour qui ça c'est trois conseil présidentiel ça yo qui dans scandale corruption qui bénéficiait des crédits 20 000 dollars américains. Tout ça ou Blaise. C'est des preuves palpables. Je dis à Snap Gade, Maître Gaby Blaise. Est-ce que c'est ILCC de volonté qui te débarqué, qui te dit pour mener enquête pour le temps de conseil présidentiel? Mais non, c'était conseil présidentiel, dans le niveau que vous avez scandale à braler. Vous oubliez, si vous faites office la présidence, c'est à dire la haute cour de justice qui t'a dû tendre aussi à destituer ou destituer. La haute cour de justice n'a pas existé. Parce que nous n'avons pas de temps, nous pas faire élection législative. Yo. La Chambre des députés n'est pas là. Chambre Sénat n'est pas là, mais c'est personne. Eh bien, pas de haute cour de justice. Parce que c'est chambre basse qui constitue haute cour de justice. Là. Et quand nous avons arrêté dans la question de haute cour de justice, selon ça, Gaby Blaise n'a pas avancé. Est-ce que
monsieur Dame Sayo, qui constituait des conseils présidentiels de transition, Yoshita sous ordre de la loi. Est-ce que Yoshita sous ordre constitutionnel? Parce que, ensemble, avant ce qu'il a fait là, ce n'est pas constitutionnel. Parce que c'est à travers la constitution qui parlait des affaires de justice. Mais ce bagaille, en demandant de grande gauche, que Negio prend, il y a destitué Negio, il y a pété Negio, il y a arrêté, même ceux qui ont rentré en grande gauche. Parce que c'est un bagaille inconstitutionnel, impopulaire, que Negio mette sous pied, ils viennent font l'argent. Et CARICOM te font l'argent, pas de moustache pour te mettre. Et CARICOM a continué à faire l'argent, toujours la situation. Exactement. Et même d'avis, il y a avec ODDG et Biblaise, avant même avec Biblaise, même avec Claude Joseph. Parce que Claude Joseph fait qu'on est que Smith Augustin trahi aidé. Mais Claude a un problème qui règle lui-même. Claude a gagné tôt ou tard pour aller devant la justice dans le dossier Jovenel Moïse. Et c'est le premier monde dans le gros nez qui est dans le pouvoir Jovenel Moïse qui a pris un code de la situation. En tout cas. Tant qu'il y a une justice pour lui. En tout cas. Eh bien, on vient avec Claude Joseph. Parce que monsieur dit. Okay. Et d'abord, monsieur dit comme ça, Smith trahi. Ah bon? Ouais. Écoutez, et d'abord, je n'ai aucun problème avec le remaniement. Mm-hmm. C'est prérogative pour le ministre et CPA, mais particulièrement et coordonnateur. Donc, si vous mettez d'accord, pas de problème. Mais vous connaissez, vous n'avez pas faire le remaniement avec la présence des trois inculpés. Tu vas capable? Non, ça n'a pas la donne. Ça, tout le bagage qu'a fait sur ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que faire un remaniement avec les trois inculpés, donc ça n'est pas envisageable. Mm-hmm. Et si vous trouvez une inefficacité dans le gouvernement, c'est normal pour changer de ministre. Mm-hmm. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas opposer à ça. Mm-hmm. D'accord? Mais il faut respecter l'être et esprit accord, 3 avril. Là. Il n'y a pas qu'à fait. En dehors de consultation des secteurs, mm-hmm. l'article 47.1 dans l'accord 3 avril, là, il est clair. Donc, sous l'Assemblée des secteurs. Démarche PM, non, peut-être il est trop tard. Il est trop tard. Okay. Et c'est pas trop tard, je voulais dire. C'est un bagage qui était supposé faire déjà. Okay. C'est-à-dire que tes deux gains ont un rapport constant avec les secteurs. Parce que ce que nous sommes en train, ça n'a pas vivre là, je dis, c'est un coup d'État, c'est la consommation d'un coup d'État contre l'accord du 3 avril. Ah, bien sûr. Parce que CPA organisé, pour yon mette secteur yon dehors dans tout processus décisionnel yon. Mm-hmm. Donc CPO, c'est yon représenté tête yon et yon lancé yon dans des activités qui véritablement laissent à désirer. Donc, et ou après yon rarement visé accord 3 avril là. Donc, il y a un problème réel. Mm-hmm. Et maintenant, au moins des moins si. Je ne sais pas si c'est Gary connaît seulement qui pourra inviter le secteur. Je pense que c'est CPA, coordonateur, M. Lesquivotter, doit inviter le secteur. Seule différence, comme préalable, nous-mêmes, nous avons aidé à participer à une rencontre avec CPA, avec la présence des trois inculpés. Ah bon? Ah, parce que pour nous, c'est du passé, il n'y a pas dans CPA encore. Allô? Donc, si vous avez un effort qui a kembe dans le CPA, c'est des efforts politiques et politiciennes pour. Hein? Donc, gros problème là. Côté, vous battez les balles là, je viens dans le ou non, ça passe, mais ça peut dire. Non, les jouer. Ah, ça peut dire. Par rapport avec avancé que Joseph a fait là. Ok. Les îles pas chita avec CPA, avec présence, trois conseillers. Mm-hmm. Mais, il est d'accord que le Sly Voltaire, c'est coordonnateur, conseil présidentiel de transition. Mm-hmm. Avec votre qui est-ce que le Sly Voltaire est arrivé? Et coordonnateur conseil présidentiel de transition. C'est avec trois inculpés, trois corrompus. Blaise, dans le cas où vous êtes arrivé là, vous n'avez pas besoin de virer l'angle. C'est crasé le conseil présidentiel, tout crasé, oui, Blaise. Parce que si nous disons, nous ne pas chiter avec l'exemple, qui est-ce qui mette le Sly Voltaire président du conseil présidentiel de transition? Des sons de vie politique, le Sly Voltaire fait avec l'exemple. Pour qu'il joue une majorité, c'est clair. Mais ce côté nous vivons là, c'est craser bagarre là. C'est état pour la raza, pour nous faire l'autre bagarre, pour nous faire. Parce que nous, chaque nègre a pensé à les bagarres là. Vous comprenez? Soit on a un petit bagarre nommé le Sly Voltaire, il a protégé le Sly Voltaire, pas d'oublier. C'était toi conseiller ça. C'était Smith Augustin qui t'a président du conseil là. Non, c'est moi qui t'a parlé là. Exact. Il faut dire politique. Parce que vous avez bel nan volé, vous avez bel nan fait braquage dans le BNC. Il est d'accord, vous contrôlez pas qu'un président. Comme le Sly Voltaire n'est pas dans l'histoire qui est devenu président du conseil présidentiel là, qui n'est pas devenu diriger le conseil là,
Eh bien, dit tout faux filet. Parce que depuis le KNTM, c'est approché pour le volet pour ou libre dans l'avion ou à moto, pas pral dans 79e, non? Et où elle dérive, elle te présente tête comme représentant et chef délégation pays d'Haïti pendant et tout à tes vous aller. Nous voulons parler de Edgar Leblanc-Fils. Malgré yon coupe micro dans bouche toa, li paraît quand même, li moute tribune des Nations Unies. Li parle. Retourne, retourne, li président. Et ou apoué, li tellement senti quel gon assurance. Parce que t'en gon paquet moun qui te méprisé. Installation te envie boycotte, installation de Civoltaire. Mais gon frange dans la communauté internationale là, qui mette division entre groupes yon, nan intérêt pa yo, parce que c'est pompier pyromane que yo ye, ou yo fè bagala marcher, nan propre intérêt yo, yo mette du feu, yo vina de l'eau, yo mette gaz, yo mette l'huile, yo mette du feu. De temps en temps, y a éteint, et puis yo moute se yo kabre du problème. Je vous dis en blessé ça. Moi, tende, Pierre Espérance, parler, aborder question dans le même sens avec le Joseph. Exactement. Si wap mande, pour toi, conseil présidentiel, yo, personne ne va chita avec yo, ou pas doué d'accord que le Steve Voltaire, vice président conseil présidentiel de transition, parce que c'est toi qui le fait ça, qui vote la majorité et cette table de situation. D'accord, on avance. Pour être capable de gagner les mêmes ministres qui fait ce pouvoir. Donc, nous-mêmes, nous prêts pour nous participer dans toute, pour parler, dans toute discussion qui gagne pour objectif. Débloquer situation hein, et faire transition en risque. Là, voilà. Nous mettez les Steve Voltaire pratiquement dans le tissu, puisque normalement pour être pour tenir en place ça, en tout cas dans le moment ça, naturellement, nous tout connaît que l'État est toujours président. Donc il a fallu le vote de ces trois conseillers. Et est-ce que M. Panon l'embarras pour décider comment faire, comment y parvenir? Donc M. Voltaire vient pour le décider entre cette situation est embarrassante. Et comme on proposait là, et le pays, qui est plus grand que somme chaque grand monde qui est là-dedans. Là. En situation, est-ce que nous avons quitté la transition, l'échoué, pour trois mondes, qui, dans une situation judiciaire difficile, ou bien nous avons organisé la mise à l'écart de ces trois conseillers et travailler pour la réussite de la transition. Comment on mise à l'écart ça? Est-ce que vous avez une tête ou comment le cas fait? Qu'est-ce que vous prenez une décision? Comment vous le faites? Bon, d'abord, c'est de constater la mise à l'écart, c'est de constater, d'organiser la mise à l'écart. C'est le Premier ministre qui vient tout levier au nom qui vient tout levier au nom je veux dire. C'est le, CP, le coordonnateur du CP. Et reste membre qui va impliquer yo mettez ensemble pour organiser mes à l'école là il pas en pile causé il pas en pile bagaille donc c'est volonté politique là qui pour gagner parce que au niveau des acteurs de la communauté internationale yo pensé que bagaille ça doit résoudre déjà donc il revient maintenant au CP reste CPA et pour le ministre pour organiser la mise à l'école. La mise à l'écart, mais est-ce que la nouvelle non, nouvelle obligée font l'autre résolution pour un mode de départager comment la majorité a la majorité puisque c'est quatre membres qui étaient donc trois membres sur quatre qui pourront voter pour ça ou les nègres doivent participer tout de mes têtes dehors. Non, moi je pense que ça c'est avec secteur parce que de toute façon c'est secteur qui transitionne? Qui transitionne? C'est en fait, yo prend coup d'état mais en tout cas c'est donc a toujours corrigé des rivières. C'est eux même qui était à la base du consensus le 11 mars. C'est eux qui rédigé malgré la divergence yo rédigé accord 3 avril là. Donc c'est secteur yo avec reste qui pour organiser. Vous parlez quand il y a le coup d'État, il fait contre secteur, mais Smith, jusqu'à avant le scandale, ça, il était attaché avec le groupe qui dévoile là, non? Bon, ça dépend, parce que le coup d'État, c'est pas une affaire d'un individu et son secteur. C'est une démarche consciente de l'ensemble des membres du Conseil présidentiel, du CP. Qui eux-mêmes ont organisé yo, contre les secteurs. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et c'est ça qui est à la base de tout le Baïsao. C'est cette volonté
de se détacher de son secteur, c'est cette volonté de se rendre totalement autonome, indépendant, autonome et bah, son secteur qui fait que nous avons une situation ça là, je veux dire. Donc, à Chita, non, hôtel, en chambre hôtel, avec un responsable banque, etc., mais même pas dit que il y a un monde qui est coupable, il y a un monde qui volait, même pas c'est même cette pratique et cette situation est véritablement pas intéressante. Mais à un certain moment, au téléphone, maintenant. Et parce que il y a des niveaux dans ce combat. Il y a des niveaux dans ce combat. Il y a un niveau à savoir côté au capable parler de présomption d'innocence. Et c'est évident, c'est des accusations. D'accord? Maintenant, une fois où elle a perduré dans un processus de transition qui est déjà fragile et fragilisé, donc on doit prendre une position. À ce moment, on a demandé à Smith Augustin de démissionner et avec un parti qui dit « Monsieur Smith Augustin, votre démission ne sera pas un aveu de culpabilité. Mm-hmm. » Donc, c'est-à-dire que nous, en quoi... C'est-à-dire que nous, bien sûr, ça veut dire que nous, on était croyés véritablement que c'est pas parce que le coupable, mais c'est parce que pour permettre, faciliter la réussite de la transition. Oh, et j'ai un des édits là, ben, on a dit Jean Louche, parce que ni Capeté, alors pas Capeté, non, Pierre Espérance, et bon, même si on a Pierre Espérance, mettre pays. Il faut dire, parce que, non, c'est sérieux, Pierre Espérance, mettre pays. Parce que, ouais, monsieur Clair, malgré que regarde Claude Joseph, qui a mis des bémols, j'en la, comprendre, faire bagayo, comprendre, j'en la, dit bagayo, mais non, Pierre Espérance, même monsieur Clair, pendant que vous mettez bémols, monsieur dit bagayo la clé. Mais, et ça fait me dire désir, bagayo la pris mon côté que, trois conseils, ça va pas obligé à aller. Et soit vous allez, et soit que reste quatre conseils qui gagnent droit de vote à résolution capable à prendre décision définitive. Et ou dit moi est-ce que ensemble secteur parti qui voyait qui mettait KPK et KPTI et puis qui voyait ministre gouvernement, yo tout prend faire sorte sur résolution et écrit mandé avec PM Gaïkouni, mandé avec et coordinateur KPTA qui c'est Leslie Voltaire pour que yo mette trois ministres ça dehors. Pourquoi ça? Parce que tout secteur presque une seule parole. Tout leader qui voyait de monde, et bien c'est des représentants des secteurs qui voyait de monde dans la KPTI et dans le gouvernement, il y a une seule bagaille. Il y a un problème pour remanier mon ministère à la fête, non? Mais si vous changez ministre dans le gouvernement, il faut que trois conseillers ça ou pas là. Mais regardez, la majorité remporte. Et si tout secteur levé dit non, il y a un problème, non? Oui, il est d'accord avec émaniement. Mais fuck, trois conseillers ça ou pas là. Ça va dire ça. De ensemble de secteurs qui ont contre Gary Kounio, il y a un problème, non? Il dit pas de problème. Encore 21 décembre, il n'y a pas de problème avec émaniement ministériel. Et aider, pas de problème avec émaniement ministériel. Même dans la société civile ou assumée, il dit qu'il n'y a pas de problème avec émaniement ministériel. Mais néanmoins, cependant, fuck que gagne trois conseillers ça yo. Faut y évoquer. Faut pas même évoquer. Faut que tu parles là parce que, à quoi mes décrets a dit, depuis que Akiza sont sous d'eau, eh bien, il clair où tu parles là. Et monsieur Capeté en face. Moi, je suis un peu plus comprendre ça, je dis là, comme si, son bagay qui, comme si bagay. Mais comprendre. Je dis, hein, la justice n'a pas de poids et de mesure. Même j'ai eu un scandale corruption. Sous madame Edwin Tonton ancienne directrice CAS là j'étais joine juge Jean-Louis Lemoré et dans enquête elle t'a mené après 2-3 auditions moi quoi si m'a trompé li joine quelques éléments palpables li mettez madame Edwin Tonton dans dépôt mais donc côté pour machine pas frapper exact t'es gain une dame un personnage qui était un responsable ba connait dans parlement haïtien Georges Baïsa ça. Le fait que nous l'avons cité dans ce scandale de la corruption, il y a mis le dépôt pour machine à frapper. Je dis,
pas parce que c'est Intel, Gérald Gilles conseiller, Smith Augustin conseiller, Emmanuel Ventil est conseiller. Non. Et m'a dit, m'a répété, pas qu'il y a aucun monde qui a l'été la justice, en l'été la loi. La loi, c'est même bagarre pour tout le monde. On met tes tiges, on te tipe, on se tige, c'est même bagarre pour tout le monde. Et on va quoi avec tout? Le fait que les Voltaire d'accord que pour jouer et pour faire deal, non, bah, bien, pour faire deal politique ça avec Nexayo, ça veut dire les Voltaire accepter que le consommer ça. Et me songe avant même rapport ULC ça t'est sorti, les Voltaire t'a dit que depuis tu as joué que trois conseillers ça yo, yo t'a impliqué vrai, y a mettre sur côté. Voilà que ULC c'est bail rapport pour là yo passer rapport ULC sans papier pour qui ça parce que les gars fait deal politique. Faut comprendre dimension problème non. Et me dit non ça clair. Dérive ça a commencé bien longtemps. Parce que les gars c'est député, c'est sénateur, c'est ministre, c'est intel, intel, c'est président. Parce que qui était mon était derrière, eh bien la justice a pas gagner pouvoir sur lui. Parce que tout ça il va dire de lui, c'est et marche et comment manipulation, c'est comment on va encore. Aïe. Oui. Ah comment on va encore oui. Aïe 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 bah politique ça quoi. C'est des malins politiques, il dit game caché derrière. Mais est-ce que c'était mes cachets que tu as fait négo à la réunion dans chambre 408 dans Oasis? Est-ce que c'est mes politiques qui fait négo t'as accepté pour prendre 4 de crédit BNC avec 20 000 dollars américains sous lui et négo tellement déchappé 4 de crédit? Hein? Comme si moi dis, c'est comme si on va jamais manger et les jeunes manger, regardez, lui mettez 1000, lui mettez tous les 2 000, lui mettez bouche-li. Elle dit la bouée bouche-li. Parce que par contre, qui est la jeune manger encore? Tellement de grand goût. C'est comme ça, négo t'as déchappé 4 BNC. Est-ce que c'était mes politiques qui t'ont fait négo? Parce que je dis à Bablier, corruption trois fois dans l'État. Ni dans le KPT, et ni dans le gouvernement connu. Fanny Bagala, et tout de côté. Parce que vous avez un conseil qui a voyagé là. Et vous faites perdre 10e. Vous avez un ministre qui a voyagé là, y compris Gaïe Koni. Et vous faites perdre 10e. Mandé ministre et affaires sociales, Jean-Joubert Franck. Combien de clubs de caissiers avec éducation, Antoine Augustin, combien de familles, combien de parents qui ont joué et comment 20 000 gouttes de dédié. Mandez-vous, il y a un bon rapport. Il y a un bon rapport. Et que deux ministres dans le gouvernement, c'est récompenser les gens parce qu'ils ont milité longtemps. Eh bien, on a milité longtemps et les gens ont besoin, les gens ont grand goût, mais les entrées là, ils ont pillé, ils volé. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne jouent aucun ça encore. Je dis à moi, c'est que société, hein. Mais regarde la clé. C'est veille voler en l'air, veille voler à terre. Et l'aime dit veille voler en l'air, veille voler à terre, hein. C'est quel que soit t'es dans le KPT, quel que soit t'es dans le gouvernement connu, c'est même vol, même vol, même vol. V-O-L, et en créant lui, V-O-L, V-O-L et accent force. Vous comprenez? Même bagarre, même mimimion là. C'est même bagarre à régler. Je vous avais qu'il comprenne ça très bien. Que, dans l'émission de fin, dans l'émission de journée, l'en dit que, si vous avez un bilan qui vous dresse, qui vous baille, quel que soit le KPT, quel que soit le gouvernement connu, il y a tout ces zéros parce que KPT a été connu, KPT connu pour exécuter, faire de route KPT à Bali. Eh bien, si qu'on n'y a pas de résultat, c'est qu'on n'y a pas de résultat même tout. Et si qu'on n'y a pas de résultat, eh bien, c'est complètement capété. Et capété a commencé avec corruption lui-même. Depuis dans 18 mai, dans la question fait de drapeau, elle dit, c'est tous les deux côtés qui ont fait corruption. Il y a pas de capété l'agence service intelligence, il y a pas de connu l'agence service intelligence, il y a connu à voyager avec pile ministre, pile délégation pour perdre 10e, capété à voyager avec pile monde pour perdre 10e. C'est tous les deux côtés de corruption. Et je dis un vrai problème dans qui c'est insécurité, il n'y a pas posé. Yo pa posé. Matin, on entend qu'on y réunit avec et la police ou l'état-major. Dans l'après-midi, dans la même journée, on les conseillers réunis avec même Mounzao. Franck, on va regarder bien. Les gens en avance pour conclure, mon frère. Bon, moi, je pense que la bataille ça qui a fait là, pas d'intérêt à Haïti là-dedans. C'est pour ça que trois messieurs ça yo. Doué à devant la justice et puis à juger peine pour ça. Et moun sa ou ta doué amende pour yon payer parce que yon rentre dans le complot, yon ta doué rentre directement dans le crime de votre trahison parce que nous faisons confiance pour venir diriger le pays pour retirer la crise. C'est dans la crise que yon plonge le pire que la justice y prend responsabilité. Et conseil présidentiel de Jean-Blaise,
li quasiment crasé jusqu'à présent ces résistances qui a fait parce que trois conseillers ça yo pas qu'à voter le si Voltaire pour te permettre de dériver président conseil pour la diriger des personnes quel que soit monde pas gain pour chita avec le si Voltaire en tant que président conseil présidentiel de transition. Déjà la fini net pas oublier élection États-Unis net dernier coup c'est pour le 5 novembre mardi et mardi là 2-3 jours encore et entre Kamala Harris et puis Donald Trump qui est-ce qui va remporter Koustan que nous même nous pas connaît parce que nous pas là nous pas faire prédiction nous pas connaît rien mais toutes données prouvées toutes données montrées que bataille là serré haïtien qui États-Unis qui immigré États-Unis mais immigrant résident aux États-Unis yo et il y a grand-père qui a sauté avec rivé Donald Trump dans tête pays ça mais est-ce que ça va le bon pour tout si Kamala vient président tout bon ça a un gros miracle pour un femme réussi diriger les États-Unis comme président mais Kamala tellement gros qui demande de gros star superstar méga star si me dit comme ça dans le monde dans des alors qui États-Unis dans DL tout comme si qui avec les bâtiments et petit c'est le Jennifer Lopez qui d'ailleurs le Cardi B qui avec vous le LeBron James qui avec vous comme si le ensemble de gros andi marcon dans différents monde qui dans différents non mais pas oublier yo c'est des influenceurs parce que yo qui mon cap marcher derrière yo et pas oublier tout monde ça c'est des noirs que yo c'est des immigrés yo c'est des noirs c'est vrai qu'a fait dans pays mais yo c'est des monde qui vini suisse et soit regarder dans grand-parents yo c'est des monde qui vini je dis yo garder avec rivé trop si monsieur vini bon j'attends à montrer là yo son paquet de bagages capable pour États-Unis et le cas chambade des États-Unis et le cas chambade monde dans tout en tout cas les mon frère et n'a quoi c'est dans les États-Unis là parce que les affaires nous la guerre en tout cas on met des amis yo en nous like en partager en qui ton commentaire en nous activer cloche notification et sinon à peine tomber sur média ça m'a toujours rappeler nous ça mais cette nouvelle blessé faut pas une nouvelle votre calbas info et racine nouvelle Haïti continuer. Alors, si vous êtes tombé sur vous, abonnez-vous avec Mediasa pour être capable de grandir la communauté. Merci, Désir. N'a croisé mon frère. Merci, Blaise. Merci tout le monde. Je vais te fidèle à vous.